m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. J'ai besoin de changer d'atmosphère. De la faire des révolutions. Yalla yalla, oh brave Jean. Yalla yalla, c'est à Paris fin 2015. C'est reparti, le CO2, on leur désingue. Le CO2, on leur désingue. Rappelle-toi 2010. 2010, c'était Cancun, toujours nada pas le El Sud. Rappelle-toi 2009. 2009, c'était Copenhague. 2009, Copenhague, la grande fumisterie sur le CO2. C'était tout cela venu, les influents, les présidents de notre terre. Quoi ça allait faire, c'était sûr, ou les grands gestes pour d'une planète. Ou les grands gestes pour d'une planète. Pour nous sauver, pour nous causer, pour nous sauver du réchauffement. Au CO de faire la nique d'un grand coup de baguette magique. Tous les humains, j'étais content. Oh, c'était chouette, vachement chouette, moi, le rejet dans l'atmosphère. Quelle serait belle notre terre. La redescente fut bien sévère. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Atmosphère, est-ce que vous avez vu la tronche qu'a fait notre atmosphère? Surtout qu'à ce moment-là, les Chinois y foulaient pas, les Indiens y pouvaient rien. Les Américains, Mr. Obama, y voulait bien, mais pouvait pas. Rappelle-toi, en 2009, il y avait aussi une grâce. Oh non, ne vous méprenez pas, moi je n'ai rien contre les nains. Mais le Nagache, il pouvait, c'est ce qu'il disait, il pouvait. Surtout le Brésil changeait le climat. Quoi donc qui disait Lula? Este pequeño gache gringo está muito, muito loco. Rappelle-toi, en 2009, nous attendions le grand projet pour juste un peu moins de rejet. Vous êtes venus dans vos gros jets, ça est sûr, ça en jette. Oh, ça est sûr, ça en jette. Du CO de plein à la pelle, vous en brûlez des kilomètres. Pour un si bel échec. Pour l'instant, de ne rien faire, les présidents se décidèrent. Pour la sécheresse, de belles promesses, mais pas maintenant, pas maintenant. Qu'ils disaient les influents, qu'ils disaient les présidents, pas maintenant. Yalla yalla, c'est à Paris fin 2015. C'est reparti au CO2, on leur désingue. Et les Chinois, est-ce qu'ils voudront? Et les Indiens, est-ce qu'ils pourront? Les Américains. Mr. Obama, est-ce qu'il voudra, est-ce qu'il pourra? Le Nagrache, lui, il peut plus, d'ailleurs, il a jamais voulu. Et le Lula, il est plus là. Les Russes, ils s'en foutent, les Japonais sont dans la nasse. Alors, Mr. Hollande, écoute même en douce France. Comme Mr. Carbone, il rigole. Alors, Mr. Hollande, faut pas que tu te plantes. Yalla yalla, c'est à Paris fin 2015. C'est reparti, le CO2, on leur désingue. Le CO2, on leur désingue. Hé, Mr. Carbone, il rigole. Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement.
Parce que là aussi, ça commence à bien faire. L'échec est toujours possible. D'ailleurs, il a eu lieu l'échec, à Copenhague, en 2009. Mais nous avons posé des conditions qui nous permettent d'entrevoir un succès. Notamment sur cette question aussi importante des 2 degrés. Le succès est aussi possible. Tu saisis, je m'asphyxie. Je m'asphyxie. Hé, Mr. Carbone, il rigole.